Bonjour les amis, aujourd'hui on se promène dans les rues de Miami Beach et vous avez derrière moi une galerie d'art. Oui, je suis amateur d'art, j'adore ça. Et ici à Miami, j'ai découvert un artiste que je connaissais mais que je n'avais pas attaché plus d'importance que ça. C'est l'artiste Brito qui fait des œuvres d'art absolument somptueuses. On est allé voir la galerie d'art. Et bon, bien entendu, c'est un grand artiste qui coûte très très cher. Et un peu plus loin, aujourd'hui, il y a le marché aux puces. Nous sommes sur le Lincoln Avenue. Vous voyez, il fait beau. Et un peu plus loin, j'ai découvert une petite œuvre d'art de Brito, ceci, qui vaut dans la galerie d'art une quarantaine d'euros. Et alors, ce qui fait plaisir, et ça c'est vraiment l'optimisme, c'est aussi se dire, ben, j'ose faire, c'est que en fait, il l'offrait pour 10 dollars, et je me dis, ben, je vais négocier pour 8 dollars, et je l'ai eu pour 8 dollars. Et je suis hyper content, parce que je repars avec une œuvre d'art de Brito pour 8 dollars, alors que ça en vaut 40. Voilà, c'est vraiment génial, en plus, le mot me plaît beaucoup, il me correspond. Voilà, négocier, réussir, gagner, ça fait partie également du jeu de l'optimisme. C'est oser demander. Quand on ne demande pas, on n'a rien. Et ça fait toujours plaisir, ça donne un bon sentiment de pouvoir gagner dans ces conditions-là. Voilà, on vous fait un peu profiter de ce soleil que nous avons aujourd'hui à Miami. Vous voyez, ces beaux palmiers. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao, ciao.